sais pas pourquoi. Laissez-moi juste expliquer ce que cela provoque en moi. Porter un uniforme me rend bien plus sûr de moi. Avoir des hommes sous mes ordres me donne beaucoup plus de poids. Porter un flingue juste pour la forme, faire la bringuette sur la corde raide. Chaque fois que je touche le fond de la bouteille, je suis dans les cordes, merde. Je me dois de répondre présent quand t'appelles à l'aide. Rendre le plus vite possible sur les lieux. Courir à perdre haleine sur place. On dirait un jeu de rôle. Un corps froid sur le sol. Des traces de sang un peu partout témoignant d'une rage folle. Non, non, ça n'a rien de drôle. Tout autour ça s'affole. Et le corps de la victime se trouve au fond d'une piole. A toujours défier la police. L'autre sans savoir si derrière lui y a d'effectifs. Il fonce tête baissée dans cette histoire. Comme un lien affectif, il fait cavalier. Seul la presse en fait ses choux gras. S'il a de l'orgueil, c'est pour ne jamais baisser les bras. Il aime ça, la tension monte, il devient très actif. Quand le héros rend des comptes, il est comme admiratif. L'un les protège, le têtu, le privilège obtu. De stratèges bien repus pour qu'elle fleurit les gens de tu. Si leur mode opératoire présente des similitudes, les deux rôdent pour la gloire, mais toutes des questions d'altitude. L'un aime défrayer la chronique, se voir en super flic, tellement dynamique qu'il ressemble à l'inspecteur d'Eric. L'autre est énigmatique, beaucoup plus méthodique. Il porte ses caractéristiques. Victime dans cette cité dortoir, en plein cauchemar sans savoir où donner de la tête. Cette histoire, il a l'impression de la connaître. D'après les voisins, c'est un grand type à l'allure suspecte qu'ils ont vu à la fenêtre en train de fumer une cigarette. Il portait un chapeau, des lunettes, un grand manteau. C'est trop peu d'éléments pour établir un portrait robot. Alors on fit venir les chiens dans le but de retrouver sa trace. Il est déjà loin, faisant de la police le dindon de la farce. On passe la part au peine fin, cela accentue les craintes. On trouvera rien, ni ADN, ni empreintes.